Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo best-of du Bad Challenge. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'année dernière, avec Lupina, nous avions fait ensemble sur nos chaînes le Bad Challenge, qui est un challenge inventé par Niska34. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et des règles en barre d'infos, ainsi que la chaîne de Lupina. Et voici les meilleurs moments de notre let's play. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu notre let's play, je vous mets la playlist de nos vidéos en barre d'infos. Bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Coucou les chocolats, c'est Lupina pour un tout nouveau challenge. Oui, vous avez bien entendu, un nouveau challenge sur les Sims. Je vais faire en vidéo avec vous le Bad Challenge donc de Niska34. Sauf que, si je le faisais toute seule, ce serait pas drôle. Parce que, sans vouloir me vanter, ce serait torché en 3 minutes. C'est que ce challenge, je vais pas le faire toute seule. Je vais le faire avec ma belle et ma magnifique Elantia. Bon, y a rien. Mais y a rien où, en fait, ça se trouve, je suis passée 3 fois devant. Vous êtes en mode, putain, mais tu le vois la grenouille, connasse. Sauf que je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Non, rien, rien de rien. Ah non! Oh, mais je suis trop conne, je les ai fait emménager à côté de Dominique. Non, pas Dominique. Ah oui, alors qu'il la déteste Vladistros. Donc on va aller se faire mordre par Vladistros, voilà. Mais pourquoi ils s'aiment pas dès le début? Qu'est-ce que t'as fait, Lupina? Direct, elle est pas pote avec Vladistros, hein, comme par hasard. Hein. Ouh, le cliché. Je vais te transformer dans la forêt. Twilight. Hashtag Twilight. Bon, allez, dépêche-toi, là, Caleb. Arrête de faire ton romantique, là. Non! Oh, le sale gosse. Le sale gosse, il a commencé à faire les conneries. On peut pas lui faire nettoyer sa mère. Oh non, mais il y a lui maintenant, mais c'est une blague. Mais c'est la réunion des troufions, ça se passe comment? Voilà, Jean-Kévin, faut que tu sois comme ça. En mieux, parce que lui, il est maigre. Voilà, c'est pas moi qui le veux, hein. Moi je m'en fous, j'aime bien ta bidoche, mais c'est le défi, mon vieux. Allez, une, deux. Ou des technologies? Ok, pourquoi pas. Ouais, mais il faut faire des jeux vidéo et Elantia. Mais Elantia, mais on n'a pas de PC. Mais Elantia. Mais qu'est-ce que tu fous, Elantia? Je voulais faire un petit cadeau pour Elantia, mais je pense qu'on n'a pas assez d'argent. Ah, je vais lui mettre un petit canard. Voilà. Oh non, elle m'a laissé un canard sur la table. Mais non, mais... Lupina, en plus on a plus de sous. Lupina, tu dépenses des sous avec un canard. Mais what? What the fuck? Mais moi qui pensais débarquer et arriver avec plein de sous, bravo. Hein? C'est du grand n'importe quoi. Là, on va lui laisser un géant canard puisqu'elle m'en avait mis un sur la table. Regardez, il y a la maman et les petits. J'adore tes cadeaux, Elantia, mais il nous faut de la thune. Regardez, voilà, ça va beaucoup mieux. Et c'est comme ça, c'est même pas cuit, c'est... Ils sont heureux parce qu'ils ont mangé. C'est acceptable. Ah non, j'y crois pas. D'accord, vous savez pas que je vois que des gosses manger des épinards pas cuits comme ça. Oui, tout à fait. Et ménage, crasse incrustée, hein. Ah bah oui, bah c'est dégoulasse, hein. Oui, promotion. Il a eu une promotion. Oui, on est riche. Vous pouvez le constater, j'ai adopté un chien qui a un nom magnifique, n'est-ce pas, puisqu'il s'appelle Jean-Claude. Et l'entière va me tuer. Elle va me dire, mais pourquoi t'as pris un chien? On y arrive déjà pas avec ces colères de Sims. Oh, le toutou, il avait faim. Bah oui. Ouyou bouyou, ou les doudous. Oui, c'est Jean-Claude. Franchement, les noms des animaux, quoi. Jean-Charles, Jean-Claude. Le père qui s'appelle Jean-Kévin, c'est super. Oh, c'est trop mignon. Elantia va me tuer. Voilà, regardez, on a de l'argent. De l'argent. Ah la 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 la. On est plein de thunes. La meuf, elle a 1000 dollars, elle s'est crue riche. J'ai une petite idée pour un petit peu faire une petite surprise et embêter Lupina, entre guillemets.
Je vous l'ai fait hors caméra, mais j'ai décidé de faire revenir quelqu'un dans la ville et le faire emménager. Non, ce n'est pas Nancy, non, ce n'est pas Don. On change un petit peu, hein, parce que sinon ce serait ennuyant à force et lourd. Donc j'ai fait emménager des personnes ici. Est-ce que vous vous souvenez de qui c'est? Je ne sais pas. C'était dans le live de Lupina. Eh bien, c'est Jean Mou et sa cagole. Voilà, ce sont nos nouveaux voisins. Je vois qu'on a un chien. Super. Encore un de plus à s'occuper. Et comment il s'appelle? Oh putain! Jean-Claude! Non mais attends, non mais déjà qu'on n'a pas de fric, l'autre elle rajoute un chien. Oh, mais c'est pas vrai. Mais ça... Ouh, ça m'énerve. Oh, elle a réveillé Jean Mou. Laisse-le dormir. Regardez-le, il est trop mignon. Il est trop mignon, quoi. Trop chou. Ça y est, c'est bon. T'arrêtes de chialer. Allez, va te coucher maintenant. Non, mais... Je vous jure, c'est gosse. Ah non, hein. Mais non. Mais non. Mais pourquoi? Mais quoi? Mais... Ça, par contre, je savais pas. Non, on ne boit pas dans l'eau des toilettes. Non. Non, non, non. Jean Mou, il est pas là. Ah si, là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Mais non, mais attends. Non, mais sérieux. Il mange devant sa poubelle. Il discute avec sa poubelle. Salut. Quoi de neuf? T'es pleine aujourd'hui? Je veux voir Jean Mou en maillot de bain. Allez. Ouh. Ouh, Jean Mou. Exprimer son admiration. Ouh, Jean Mou, je t'admire. Je veux être comme toi. Mais du coup, on va s'arrêter là. Comme ça, Lupina, elle va tomber là-dessus. J'ai envie de lui rajouter un petit cadeau aussi. Allez, on va mettre le petit buisson de balai à chiottes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais Elancia... Oula, c'est quoi ça? Mais non! Oh non! Elle a ramené Jean Mou! Jean Mou! Elle a ramené Jean Mou chez nous! Oh my goodness! Cliquera le buisson dans la cuisine! Alors, je comprends que tu aimes les buissons, Elancia, genre c'est ton style, balai à chiottes, tout ça. Balai à chiottes est un personnage d'Elancia, c'est tout à fait son style de foutre des buissons dans la cuisine, mais alors moi, non. Marois, si tu peux faire la vaisselle, ça m'arrangerait, hein, parce qu'elle a encore foutu le bordel, l'autre, elle trouve ça rigolo. C'est moi qui range derrière, bah oui. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une pièce. Voilà, on va faire une pièce pour la mère, on va lui mettre une chaise, une table, et elle va faire que de bouffer. Elle sera enfermée dans cette pièce, c'est-à-dire qu'elle ressortira pas de cette... C'est horrible, hein. Elle ressortira pas de cette pièce avant d'être obèse. Elle est toute seule, mais... Et elle est enfermée? Non... Mais qu'est-ce qu'elle a? Y a pas de porte. Oh, mais elle est sérieuse, Lupina! Mais t'es sérieuse, Lupina? Tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'auras pas mangé et grossi, la peau. On n'a que 453. Mais comment on fait pour demain? Tous les dimanches, on doit retirer 750. Oh non, il est encore pété, Jean-Kevin! C'est comme pas comme ça qu'on drague. Faire crac-crac dans le buisson, oh putain. Oui, si vous y tenez, moi je veux faire ça. Donc essayez de faire un bébé. Donc oui, il n'y a plus de bambins, hein, et pour faire grossir madame, pourquoi pas la faire tomber enceinte? Ça aide, hein. Et puis Lupina, le nombre de fois où elle m'a fait ça, où elle m'a fait faire des gosses dans le dos, moi je dis oui, voilà, tout simplement, ça va être cool, allez, moi je veux ça, hein. Oui, bien sûr, on n'a pas de sous, mais c'est pas grave, hein, pendant qu'on y est. Qu'est-ce qu'il fait? Il lèche son pipi. D'accord, c'est génial. Génial. Oh putain, non mais comme ça on avait besoin d'un autre gosse quoi. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Bad Challenge que je fais en duo avec Elancia. Cette grosse poufiasse m'a volé mon idée en faisant tomber enceinte la maman. Hein, alors qu'on s'en sort déjà pas avec tout ce monde. Donc du coup, c'est génial. Je suis en joie. Bon, mon toutou, t'es soigné? Il n'est pas soigné. T'as pas soigné mon chien?
T'as pas soigné mon chien? Ça fait 30 plombes que j'attends, t'as pas soigné mon chien? On a passé toute la nuit à la clinique, c'était une blague? Oh, gros con! Gros con! Ok, super. Ben, on va recommencer. Allez, Maroua, je t'en supplie. Non, quoi? Quoi, pourquoi tu veux pas? Oh, parce que... Oh, et oh, c'est quoi ça? Jacques Moreau, il arrive, le mec, il nous pique la place. Gros con, casse-toi! Mais cassez-vous! J'en veux plus! Pauvre, regardez! Il a l'air trop con! Les chargements, c'est trop chiant. Mais c'est quand même mieux que les bugs des Sims 3. Les chargements, c'est trop chiant. Allez, tout le monde en cœur! La danse des mangoustes? Ah, bah non, c'est pète avec ses petits muscles. Ça va! Ça va! Oh non! Oh non, mais en fait, cet épisode, c'est la symphonie de Va te faire foutre Lupina, en fait. Regardez qui y a! Oh putain! Oh, au secours! Alors, sur tous les mecs musclés qu'il y a dans ce jeu, il faut que mon entraîneur, ce soit Don Lotario! Bon, on va faire comme s'il n'existait pas. Voilà, je tourne ma caméra. Je ne te vois plus, Don. Je ne te vois plus, tu n'existes plus. Il va rentrer en serviette. Il va quand même pas rentrer en serviette. Non, mais attendez. C'est un sketch, le truc. Non, mais c'est pas une blague, en fait, le gars. Il a parcouru toute la ville, il est rentré chez lui en serviette. Il est où? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Bah... Non bah alors là, je comprends plus rien. Je sais pas, j'ai oublié un gosse en route. J'ai oublié en fait que j'avais 4 gosses. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans la vie courante, hein. Oh bah marre, j'ai oublié un enfant quelque part dans la forêt. Zut. Oh là là, j'ai pépé de moi. Oh, il pue. Oh, regardez. Jean-Claude, il pue. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Donner un bain à Jean-Claude, c'est pas comme si on voulait de le laver. Non, pas du tout. Oh, je l'ai oublié. Dépêche-toi. Oh putain. Cette fois-ci, il y aura pas eu de bug. Hein. Cette fois-ci, elle sera vraiment cramée. Et là, je serai mort. Putain. Il en a fallu peu, hein. Oh, super! Jean-Claude a appris à faire pipi dehors. Ouais, super! Non! Morue! Prendre le courrier. On peut pas payer! C'est génial! Oui, bah dégage, c'est bon, hein. On a compris, hein. Morue! Merci, Elancia, d'avoir laissé ce gros caca sur la table. Ça donne vachement envie. Alors, c'est un garçon. Je sais comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Jean-Max. On n'a pas assez de gens. Et là, Magie, prends un cornet. Magie, tu vas grossir en une glace. Regardez. Quoi, c'est tout? Bah, tu vas en reprendre une, hein. Allez, on va en reprendre une. Ah, ça y est. Elle est énorme. Ça... Oh, mais... Elle est... Je suis bug, là. Elle est vachement grosse. C'est quoi ce cul? Lupina, c'est quoi ce cul? Comment? Mais attendez, non mais... Ça a bugué, c'est pas possible. Mais c'est quoi ça? Non, mais tu vas pas te coucher, hein. Moi, je veux voir. Mais what the fuck? Comment il s'appelle, ce machin? Jean-Max. Ah, Jean Mouloud, Jean Kevin, Jean Mou, Jean-Claude et Jean-Max. Ouh, Lupina, l'aspiration est présente. Oh, la famille de bouffe. Oh, putain de merde. Mais non, mais c'est une blague. Mais c'est quoi ce cul? Là, ce n'a pas réussi. So, là, on a réussi à la faire grossir. Mais comment elle a fait, Lupina? Oh, ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est quoi ça? Mais elle était belle comme ça, et là je la retrouve comme ça, là je suis choquée, là c'est tout. Oh, il est mignon ce chien. Il est con, il est mignon. Jean-Claude, il a chié dans le salon.
Regardez tout cet argent. Argent. Oh putain. Oh, on est dans la merde, les gars. Oh bah, vous savez ce que je vais faire. On va changer le petit en bambin. Et on va laisser l'ancien se démerder. Cadeau, morue ! Cadeau ! Je crois qu'on va passer aux choses sérieuses, en fait. Et les choses sérieuses avec moi, voilà quoi. En gros, je veux me marier avec des gens riches pour avoir le fric. Ah ! Bonsoir ! Oh my god, je n'aime pas cette meuf. Regardez comme elle marche, elle m'énerve ! Elle m'énerve ! Et là, le jeu a planté. Parce que le jeu, il comprend pas pourquoi je fais ça. Pourquoi tu dragues Nancy ? Merde. Oh, elle me fout des vents en plus, cette morue. Morue. Oh, mais non. Pourquoi il fait ça? Alors par contre, j'étais en train de regarder là-dedans et j'ai trouvé ça. Et l'ancien t'a pété les plombs ou quoi? Pourquoi? Comment? Quand? À quel moment? Oh, mais je suis pas d'accord, mais non, mais c'est hors de question. Il a pas fait ses leçons. Et l'ancien t'a fait n'importe quoi. Oh, elle est claquée. Mais on est vendredi, il est 6h. Oh là là, et l'ancien, au lieu de draguer l'autre gros... Oh non, c'est dégueulasse. Jean-Claude. Oh mon dieu, mais non quoi, au secours. Oui, bah moi aussi je peux le faire. Hein. Je vogue sur un océan de calme. Ah, c'est bon. C'est pas les pas. Joyeux anniversaire. Meilleure chanteuse du monde, vous êtes tous d'accord? Oui, je sais, merci. Oh putain, m'énerve. Ça m'énerve. Arrête de la voir, ça me gave, là. Ça m'énerve. Allez, dis oui. S'il te plaît. Oh. Oui. On va la tuer, on va la tuer. On va la tuer. Goodbye, Nancy. Oh. On est riche. Oh, riche. Niquez-vous les factures. J'avoue. Oh, la mort. Goodbye, Nancy. Au revoir, Moru. Merci pour ton fric. Elle a dit oui. Oh, oh non, mais je joue pas lui comme Marie. Pour elle. Mais toi, tu crois que j'en mousse, c'est mieux. Hey godness, premier baiser. Vas-y, Marwa. Non, 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 ne t'assois pas. C'est pas le moment. Allez. Ouh. Ouvre la doche. Ils vont où? Dans la salle de bain où il y a la gamine. Mais vous êtes vraiment des abrutis. Mais arrêtez. Mais j'hallucine. Mais ils sont cons. La gamine est en train de se laver et ils vont dedans. Mais cassez-vous! C'est dégueulasse! Vladistros, je savais que t'étais louche, mais pas à ce point quand même. Ta mère le lama, Vladistros. Quoi, après tout ce qu'on a vécu? Comment osez-vous? C'est honteux! Ouais, bah, je m'en fous. Je voulais juste ta thune! Allez, salut! Critiquer les techniques de crac-crac. Mon pauvre vieux, t'es resté à l'ancien temps! Les cunis, tu connais? Oh my gosh, le pauvre. Le mec est mort et tout le monde s'en bat les couilles. Y a personne qui vient voir ni rien. Alors pour la Nancy, tout le monde chialait. Mais pour Vladistros, tout le monde s'en carre le cul. Conne, pourquoi tu te mets dehors? Putain, mais... Oh, j'en peux plus de cette meuf, franchement. J'en ai marre. Pourquoi elle se met dehors à cramer? Oui, bah arrête de faire ta maline là, parce que t'es vraiment conne. Hein. Franchement... T'es un vampire et tu te mets dehors. Hein. Je suis désolée de te l'apprendre, mais non, tu vas pas dehors. Attendez, on va bloquer la porte, hein, parce que là, verrouiller la porte, tout le monde, c'est tout. Mais non, oh, j'ai verrouillé la porte, elle sort mais dehors, putain. Oh non, putain. Marois, je suppose que c'est toi. Tu me fatigues. Bon, est-ce que tu peux éteindre? Éteignez-vous d'abord. Bah oui, ça peut être pas mal, oui. Ok, on peut éteindre. C'est bon, elle a tout éteint. Ok, remplacé, génial, tout a cramé. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, meuf? T'es même pas foutue de faire des sandwichs sans faire cramer tout. Elle est con de ses parents. Jean-Claude! Il est con, ce chien, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il est dégueulasse! Oh! Jean-Claude! Le chien, non mais... Alors, je sais que certains adorent, donc je vais le dire. Non, il est même pas mignon, je peux même pas dire qu'il est con, mais qu'il est mignon.
mignon ce chat. Parce qu'il n'est pas en fait là. Parce que là en fait. Seule. Je suis seule au monde. Y'a rien à faire, je suis seule au monde. Je suis seule au monde. Je suis seule au monde. Oh, il est trop mal à l'aise, machin bidule. Oh non, je suis trop mal à l'aise pour me parler devant une glace pendant 4 heures. Oui, bah ta gueule. Par contre, ce buisson là commence à me gonfler avec Jean-Claude qui va tous les 4 matins dedans farfouiner et qui se fait asperger par la moufette et c'est dégueulasse, c'est bon. Hein. J'en ai marre de ces gamins. Balèche. Oh putain, non. Non, non, non. Ah non, c'est le chien. C'est le chien de Balachette. Oh. Oh bah merci. Ah bah merci. Morue. Morue. Alors tu oses me faire ça, toi, Balachette, à moi ta créatrice. Non mais oh. Exprimer son admiration. Balachette, je t'admire. Tu as tellement un look so magnifique. Quoi? Ah non. Allez, on fait chaud. Balai dans le placard. Oh connard. Oh ce connard. Oh ce connard. Oh, il me traite de poubelle. Tu oses me traiter de poubelle, toi, Balai. Enragé. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Faut que je nettoie mes lunettes, voilà. Oh my god, je vous jure, je voyais pas la moitié de l'écran. Putain, mais faites l'amour. Mais il faut pas ce que je demande. Zen, je suis zen. Je vogue sur un océan de calme. Je suis très calme. Où est-ce qu'il est, ce que je veux? Non, c'est pas ça. Donc en fait, je pensais les mettre tous comme ça. Elle va me défoncer, je pense, mais ça va être drôle. On se retrouve dans le jeu. J'allais lancer la partie quand j'ai vu ça. Donc on a un gnome, deux lapins et un ours. Qu'est-ce que t'as fait, l'ancien? Et l'ancien n'a pas le temps pour votre portée. Putain. Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est... Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? C'est trop laid. Mais elle est folle, hein. Mais ça va pas du tout, ma chérie, hein. Mais elle aura tous mis un costume de merde comme ça. Et l'ancien, ma chérie, au lieu de faire des costumes de merde, hein, à nos Sims, est-ce que tu pourrais t'en occuper, grognasse? Mais non, mais il bouffe en même temps qu'il est aux toilettes. C'est une blague, j'avais jamais vu. Non, l'assiette est posée sur ses genoux, calme. Oh non, mais comment t'as chopé ça, purée? Non. Oh non, c'est bon. Non, non. Écoute, hein, tu fais le reine de Noël pour l'hiver, hein, qu'est-ce que je te dis? Jean-Claude a faim. Quoi? Quoi? Oui, Jean-Claude. Le qui crève tout à l'heure, c'était pas littéraire. Mais s'il pouvait arrêter d'être joueur... On a fini.